contre toute attente, Christopher a été éliminé de N'oubliez pas les paroles, mardi 26 avril 2022. Le candidat belge est tombé sur plus fort pour lui et a donc dû quitter le plateau après 39 victoires et 309 000 euros de gains. Entre le 4 et le 26 avril 2022, il n'a cessé d'impressionner par ses connaissances sur l'émission mais aussi musicale. Avec ses belles performances, Christopher fait actuellement partie du top 10 des plus grands maestros de N'oubliez pas les paroles. Il se situe exactement à la 7e place du classement, juste derrière Hervé. D'ailleurs, la veille de l'émission où il a été éliminé, il avait pensé à l'ancien numéro 1 du programme animé par Nagui. La veille de ce tournage-là, je me suis dit que j'aimerais dépasser Hervé. Ça m'a effleuré l'esprit. Je suis venu en car à Paris. Quand ma maman m'a accompagné, j'ai pleuré dans ses bras. J'avais beaucoup de pression sur la fin. Je commençais vraiment à être fatigué. Elle m'a rassuré en me disant que j'atteindrais les 300 000 euros. Quand je les ai gagnés, je me suis remémoré ce moment. Et je me suis dit que je pouvais partir, a-t-il ainsi confié à nos confrères de Télé-Loisirs. Christopher a de beaux croquettes avec ses gains aujourd'hui, avec ses gains impressionnants, Christopher a de nombreux projets. Alors qu'il tente de reprendre le cours de sa vie, il a très envie de vivre seul. J'aimerais acheter un appartement pour vivre tout seul. Si est-il de l'argent que j'aimerais investir? Je vais en placer les trois quarts, et me faire plaisir en voyageant et en allant au restaurant. Cette somme est tellement énorme. Si je gère bien, je pourrai assurer mon avenir. Loading Widget.